tout le monde, c'est Kozak. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list. Donc, ça fait un moment que je n'en ai pas fait, en plus sur Rainbow Six Siege. Donc, cette fois-ci, j'avais fait les élites, enfin, j'avais fait plein de trucs de manière à la fin, ce sera mis. Donc, si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci, ce sera en fin de vidéo. Donc, là, vous voyez, il y a toutes les maps. Donc, voilà, je les ai triées, comptées et tout. Donc, il y en a bien 21, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà, il y a toutes les maps. Donc, voilà. Donc, je vais parler en détail. Enfin, voilà quoi. Donc, vous voyez, il y a marqué bien, moyen, souvenir. Donc, souvenir, ça fait un moment qu'on les voit plus et tout. Donc, voilà. Et nul les maps que j'aime pas, enfin voilà. Après, le tier list est uniquement mon avis. Après, voilà, donc après, n'hésitez pas à marquer dans vos commentaires laquelle map vous aimez bien et tout, donc voilà. Ou que vous aimez pas, enfin, comme moi, un tier list, mais dans les commentaires pour vous. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc, maison. Donc, maison, elle était rework. Donc, après, elle est pas en classé, elle est pas en non classé. C'est un peu dommage. Mais bon, j'avoue que la map maison elle est petite comme map, je trouve. Donc ça sera un peu plus facile pour rush et gagner les non classés ou les ranked. Mais moi je trouve de base la map pour s'entraîner et tout, elle est bien. Pour moi elle est bien. C'est une map bien. Oregon. Et aussi je voulais dire les défauts et tout de la map. Alors Oregon. Oregon, alors elle est bien la map, bon elle est en non classé et en ranked, mais bon elle est grande, ça va, elle est grande on va dire, mais moi je trouve que c'est une map qui est uniquement pour la limite pour la classer et c'est ça qui est dommage qu'il laisse pas justement d'autres maps intégrer la non classée et la classée en fait. Mais sinon Oregon c'est quand même une map bien quand même à jouer. Voilà. Et bien sûr, la map Rework. Voilà. On passe à la map Base d'Airford. Donc cette map, je ne me rappelle plus, mais je la vois plus. Donc je pense même en simple, je crois que je la vois plus. Je sais pas si je dis des conneries, mais voilà. Mais logiquement, je la vois plus. Mais moi, Base d'Airford, honnêtement, pour moi, pour une non-ranked et une non-classée, avant, elle était. Mais franchement, c'est... Pour moi, ça serait un souvenir pour qu'il la remette au moins en non classé ou en ranked. Pour moi, c'est mon avis. Mais sinon, c'est une map bien. Clubhouse. Alors, on va dire que Clubhouse a subi un petit rework parce qu'avant, le dehors est plus comme il est. Mais là, le dehors, il est encore mieux. Enfin, voilà, quoi. Vous savez qu'avant, il y avait deux murs qu'on pouvait péter à dehors. Vers recette et chambre, un truc comme ça, et maintenant ils ont mis un couloir justement de matériaux, des trucs comme ça bizarres. Du coup, elle est rework pour moi. Du coup, la map Clubhouse, moi, pour moi, j'aime bien, honnêtement, j'aime bien. Voilà. Avion présidentiel, alors c'est une map basique, elle n'est pas rework. Franchement, bon, l'avoir, c'est comme maison en fait. L'avoir en non classé ou en ranked, franchement, elle mérite pas, mais voilà. Mais comme map, je trouve que franchement, c'est une map pour moi moyen. C'est un peu moyen, je trouve. C'est pas mon goût jouer tout le temps sur cette map. Enfin voilà. Consulat. Alors en même temps, je suis sur mon mobile pour voir les maps s'ils sont rework ou pas. Alors, Consula, map non rework. Donc, pour moi, Consula, franchement, elle est grande, il y a beaucoup de pièces. Franchement, elle est grande, elle est bien, elle est en non classé, en classé. Franchement, je l'aime bien. Hop, oh, j'aime bien. Banque. Une map, bon, en ce moment que je vous parle. Alors, elle n'a pas subi un rework, elle a juste été, on va dire, un peu modifiée. Bon, elle n'est pas rework comme, je sais pas, maison ou autre, vous voyez. Mais, au Base d'Airford, mettons, parce que le Base d'Airford qui était avant, c'est plus le même. Mais, je trouve qu'on suit là, comme map maintenant, enfin, banque, pardon, je voulais dire,
Bon, comme map, franchement, maintenant il y a des petits chemins, on commence par où il y a le sort de trou tunnel où on se fait spawn kill tout le temps de l'autre côté. Mais franchement, je trouve que quand Banque, je sais pas qu'est-ce que j'ai à propos de quand tu l'as. Banque, je trouve franchement, comme ils l'ont fait là maintenant, franchement, je trouve qu'elle est bien. Pour moi, elle est bien. Canal. Canal, un nom classé en ranked, je ne suis pas sûr. Mais un nom classé, franchement, Canal, de temps en temps, je tombe dessus. Comme map, elle est bien. Mais moi, je le trouve moyen, franchement. C'est pas une map que je jouerai presque tous les jours. Enfin, tomber dessus, franchement. Chalet, donc chalet. Chalet, en plus, Canal est map, je pense, rework. Donc voilà. Chalet également, map rework. Franchement, la map Chalet, franchement, moi je la trouve, c'est pareil, je la trouve bien, je trouve, voilà. Café Dostoïevski, ah, ce nom, c'est un peu compliqué à dire. Donc map rework, idem. Donc voilà, il y a beaucoup de map rework quand même. Donc, Café Dosto, honnêtement, avant je l'aimais, mais maintenant, franchement, je la mettrais pas en moyen. Je la mettrais pas en nul, mais franchement, je la mettrais vraiment en moyen au final. Parce que franchement, c'est une map que j'aime pas tomber dessus, quoi, tout simplement. Yacht. Yacht, c'est pas une map rework. Toujours de base. Juste, il y a des petites. J'ai trouvé des modifications sur cette map. Vous voyez encore on spawn derrière. Non, plutôt devant, je crois, c'est devant. Où il y a des palettes. Maintenant, on doit. Vous savez, encore vous mettez une balle, tout tombe. Et bien maintenant, j'étais tombé en non classé d'ailleurs, dessus je crois. Et maintenant, il faut tirer, il faut donner des coups de crosse, tirer, enfin voilà, quoi, vous one-shotez plus en fait. Mais ça, je crois, ça fait belle durée de conseiller. Donc, moi, Yacht, franchement, comme map, je la trouve un peu. C'est moyen quand même, c'est moyen, voilà. Frontière, bon, frontière. La frontière, la map frontière, elle subit un petit rework, pas vraiment mal, mais c'est quand même un petit rework. Du coup, je trouve que frontière, franchement, je la trouve bien. Pour moi, j'aime bien. Je comprends pas, il y a des joueurs qui l'excluent la map. Je comprends qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Donc voilà. Favela, donc Favela, dommage qu'elle est pas en classé, c'est dommage. Par contre, elle est en non classé. Mais franchement, comme map, franchement, Favela, j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas. Je pense que tout le monde serait de mon avis. Personne l'aime. En plus, elle est rework. Franchement, j'aime pas. Tomber dessus, j'aime pas. Gratte-ciel. Gratte-ciel, voyons voir. Gratte-ciel, map rework, idem. C'est pareil. C'est vraiment une map rework. Ils l'ont vraiment un rework à fond. Les pièces et tout, enfin voilà quoi. Franchement, gratte-ciel, je comprends aussi, il y a des joueurs qui n'aiment pas tomber dessus. Pourtant, c'est, je sais pas, je pense, facile à attaquer quand même sur gratte-ciel, donc voilà. Pour moi, je trouve que la map, pour moi, elle est moyenne de mon côté, mais c'est vrai que j'aime pas tomber dessus, mais franchement, elle est pas nulle, elle est moyenne pour moi. Alors, Université Bartlett, cette map, franchement, c'est dommage que. Qu'il ne réintègre pas chez Ubisoft, parce que c'est vraiment une map bien qui pourrait être allée en non classé, au moins non classé, non ranked, mais elle irait bien en non classé. Franchement, Université Bartlett, désolé, elle est trop bien. Franchement, je sais pas, cette map elle est bien. Moi je la trouve, voilà, bien. C'est pour ça, pour moi, c'est un souvenir, parce que il la mettait plus en jeu et tout, et voilà. C'est toujours des maps, vous voyez, je sais pas, mais. Oregon, Clubhouse, vous voyez des maps comme ça qu'on voit beaucoup en non classé et en ranked, et que là, certaines maps comme Université Bartlett, Base d'Air Force, on la voit presque pas. Voilà, c'est un peu bizarre. Littoral, ben, perso, j'aime. Voilà, c'est une belle map, moi je trouve, pour jouer en classé et en non classé. Parc d'attractions. Alors, parc d'attraction, donc je pense que parc d'attraction elle était rework si je dis pas de conneries. Voilà, elle était bien rework la map. Franchement, parc d'attraction, moi je sais pas, je la mettrais dans moyen.
Honnêtement, voilà, je sais pas, d'instinct comme ça, je dis moyen. Alors, Tours, franchement, Tours, je ne sais même pas si elle a été rework, cette map. Je crois qu'elle a été rework. Il faudrait que je regarde, mais je pense qu'elle a été rework, mais je suis pas sûr, mais je pense pas. Mais pour moi, Tours, à la rigueur, non classée, elle pourrait y revenir, franchement, parce que franchement, c'est une bonne map, franchement. Mais je dirais en souvenir. Franchement, c'est des souvenirs parce que perso, j'ai joué dans toutes les maps et franchement, je sais qu'est-ce que j'ai dit donc voilà. Villa. Franchement, Villa, bro, c'est moyen, je trouve. Enfin, c'est pas une map que je jouerai tout le temps dessus en fait. Voilà. Forteresse. Alors, Forteresse, c'est. Ouais. Alors, je crois que cette map, elle est un non classé. Ouais, c'est une map un non classé. Et elle est non ranked, je crois. Donc, là, j'ai pas allumé ma play. J'aurais dû voir s'ils étaient en classé, non classé, vous voyez. Mais, voilà, quoi. Et du coup, Forteresse, je la mettrai dans. Dans. Dans moyen, voilà. D'un moyen. Je sais pas où elle est là. Voilà. Hop, oui. Et la dernière map, Outback. Donc, Outback, comme map, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Honnêtement, bah, c'est pareil, c'est moyen. Pour moi, c'est voilà. Voilà mes avis. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires dire vos maps, si vous aimez, si vous aimez pas. Enfin, voilà quoi. Enfin, voilà. Comme je dis, c'est mon avis. Vous pouvez répondre à vos avis via vos commentaires, bien sûr. Donc voilà. Donc c'était Kozak, merci d'avoir regardé la vidéo. Et bye tout le monde pour une prochaine vidéo. Et j'espère que si vous voulez d'autres tier list, d'autres jeux, dites-moi dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, surtout dites-moi en commentaire quel tier list que je peux faire. Je parle du Fortnite, du R6, encore, du Rock Company, Cold War, enfin voilà quoi. Et essayez de détailler dans les commentaires niveau quoi vous voulez. Donc voilà. Allez, c'était Godoc et bye tout le monde.